Things are right, you just know. There is something in your eyes that brings me home. Cause when there's love, you don't let go. So as long as you're with me, you're not alone, you'll never be. I wanna tell you what I feel and really mean it. I wanna shout it from the rooftops to the sky. Cause if you ever need a friend, you know I'll be. Donc bonjour à tous, on se retrouve ici en Espagne dans les stadios Abanca Balaidos pour donc ce match entre le Celta de Vigo et le FC Barcelone de Lionel Messi qui est donc encore capitaine hein, cette saison de cette équipe catalane avec ce magnifique nouveau maillot hein, à dire aussi clairement un très très joli maillot, de même pour celui du Celta de Vigo. Les compos dans quelques instants, les compositions qui vont donc être annoncées pour le Celta de Vigo avec Sisto Smolov, Iago Aspas, Fran Beltran, Jokus Luk, Iker Lozada, Olaza, Arroyo, Malo, bref en 4-3-3 je pense. Pour le FC Barcelone on aura donc Philippe Coutinho, Griezmann, Messi, Dembélé, Pjanic, Busquets, Jordi Alba, Samuel Umtiti, Piqué, Nelson Semedo, Ter Stegen en 4-2-2-2 pour la composition de Ronald Koeman, bien évidemment l'ancien joueur phare de cette équipe du FC Barcelone. C'est l'ancien joueur phare tout court, hein. C'est un joueur qui a été exceptionnel dans son époque. Effectivement, il a fait son époque, comme j'ai dit. Et Iago Aspas qui est déjà proche cette surface Blaugrana, c'est pas fini, ballon récupéré côté FC Barcelone, on est reparti avec Piqué. C'est bien joué sur Ousmane Dembélé, Pjanic avec Busquets. Oh, le tac sur Busquets, l'arbitre qui va sanctionner cette faute de la part de Iago Aspas. Ah non, c'était pas Iago Aspas, c'était quelqu'un d'autre. Pas exactement le nom. On est reparti avec donc Messi qui va envoyer cette balle sur du coup Jordi Alba. Jordi Alba qui peut centrer, qui centre effectivement la tête du Griezmann. Ce ballon pour Ruben Blanco. Le gardien du Celta Vigo. Attention quand même, il y a un Pjanic sur Gérard Piqué. Pjanic qui cette saison est Blaugrana. Philippe Coutinho. Ouais, la touche côté FC Barcelone. Jordi Alba, Philippe Coutinho, le centre. Oh, le centre qui était magnifique là pour Messi. Et ce ballon qui va donc se terminer dans les pieds de Celta Vigo. Oh, magnifique action, c'est pas fini. On a Smolov. L'attaque de Smolov. Oh, l'arrêt magnifique de Ter Stegen. Qui vient s'interposer là dans les pieds de Celta Vigo. Avec Messi, on est reparti. Messi, la talonnade magnifique de Griezmann sur Messi avec Philippe Coutinho toujours. Vigo qui a beaucoup de mal hein, pour l'instant. Pjanic. Ah, ballon perdu avec Jouslou. Avec Piqué. Jordi Alba. Jordi Alba sur Philippe Coutinho. Coutinho. Le tac sur Philippe Coutinho. L'arbitre qui ne sanctionne pas la faute. C'est pour Sergi Fran Beltran.
Yago Aspas. Yago Aspas, le joueur espagnol. Le ballon récupéré pour Ousmane Dembélé. Magnifique ballon pour Lionel Messi. Messi. Oh, Messi qui continue son action. Oh, Messi qui a déposé ce ballon magnifique. Oh, le hors-jeu, dommage pour Antoine Griezmann. Il y avait un très très beau ballon là de Messi. Encore une fois, exceptionnel. Ruben Blanco. Qui renvoie cette balle assez loin. Oh, magnifique ça. Pour donc Antoine Griezmann, le ballon pour Messi. Messi avec Philippe Coutinho. Coutinho. Messi, la frappe. Oh, la frappe de Messi qui manque. Un peu au cadre. Frappe non cadrée, dommage. Là aussi. Bon, c'est vraiment dommage, hein, cette frappe de la Pulga. Le ballon pour Ruben Blanco. Hugo Malo. Hugo Malo. Yago Aspas, le ballon qui est du coup toujours pour l'équipe. Oh, du Celta Vigo, j'ai cru qu'il y avait pénalty. Non, pas du tout. Ça continue pour le FC Barcelone. Ousmane Dembélé. Ouais, là, dommage. La passe en retrait là pour Messi. De Messi, pardon. Sisto. Samuel Umtiti qui est présent, hein, toujours là. Sergio Busquets. Ouh, il y avait un tac là. Monsieur l'arbitre qui ne bronche pas. Tac sur Lionel Messi. Ouh, attention à la passe là de Ter Stegen. Oh là. Décidément. Oh, encore un tacle beaucoup trop appuyé là, la part de Miralem Pjanic. Ça aurait même mérité un carton jaune, ce tacle. Ah ouais, quand même, c'est un peu trop hein, ce tacle. Olaza. Messi. Oh, Messi magnifique là pour Antoine Griezmann. Griezmann sur la Pulga. La Pulga qui continue. La Pulga. Oh. Eh, la Pulga qui a quand même essayé de tirer. Là, un peu trop personnel hein, sur cette action là, Messi. Ouais, beaucoup trop longue encore une fois cette passe sur Coutinho, mais qui passe quand même, apparemment ça aurait été dévié, donc Coutinho qui continue ce ballon. Ouais, trop long cette fois-ci. Et Coutinho beaucoup trop long sur Jordi Alba. C'est du coup la touche côté Vigo. Vigo avec Yago Aspas. Fran Beltran. Arroyo. Arroyo avec Olaza. Sisto. Yago Aspas. Ouais, la tête de Yago Aspas qui passe un millimètre. Ça arrive en plus, donc c'est beau. C'est très très joli. Et Pjanic. Nelson Semedo. C'est du coup pour Messi. Allez, on est parti avec Messi. La Pulga, le tac sur la Pulga. L'arbitre qui ne sanctionne pas. Ça joue toujours en côté Celta Vigo avec Sisto. Sisto. J'ai l'impression que la Pulga a un peu de mal de relancer ses ballons. Il a beaucoup d'énergie, hein, ça on s'en doute. Mais il y a toujours le petit geste en trop. Hein, comme ici, regardez la passe de trop de la part de Lionel Messi. Donc c'est quand même un peu comme CR7. Hein, on sent
la différence d'âge décidément entre quand ils étaient encore plus jeunes et quand maintenant quoi, quand ils sont un peu plus vieux. Ça commence à malheureusement aller dans le négatif côté Messi et côté CR7. Et ça va s'allonger. Hein. C'est comme de toute façon, comme tout joueur, Xavi, comme n'importe quel joueur, hein, Totti. Totti, on a été aussi très très triste hein, quand il a quitté l'AS Roma. Bref, plein de joueurs comme ça qu'on est très triste de leur fin. Comme Diego Armando Maradona, comme Ronaldo Di Nazario. Bref, plein de joueurs qui, en tout cas, à qui on est. On est déçu quoi, enfin on a des regrets de son arrêt, leur arrêt. Et bref, c'est des joueurs qu'on connaît, ils ont une qualité exceptionnelle. On est reparti. Ouais, donc comme je disais, c'est des joueurs qui ont quand même une qualité exceptionnelle, des joueurs très très connus. C'est pour ça qu'on est justement très triste de ce genre d'arrêt. Voilà, comme Andrés Iniesta quand il a quitté le FC Barcelone, c'était aussi très très triste pour notamment les joueurs du FC Barcelone, hein, Messi, Suarez, les plus grands coéquipiers. Même Xavi, il avait fait un post le lendemain comme quoi c'était très très triste que Andrés Iniesta quitte le monde du football. Voilà. Et justement, c'est ce que je justement faire part, c'est quasiment bientôt l'arrêt hein, du FC de Messi et de Cristiano Ronaldo. Et ça sera deux monstres internationaux qu'on quitte malheureusement. Mais bon, quand même 2-3 successeurs qui sont pas mal hein, non plus. Il y aura toujours Neymar, il y aura toujours Mbappé, il y aura toujours et Gareth Bale pour faire peur quand il le faut. Mais ces joueurs-là resteront dans l'histoire du football à jamais. On est reparti avec donc Thiago Aspas. On va parler un petit peu on va parler un petit peu des joueurs mondiaux. Maintenant on va passer au vif du sujet quand même hein, parce que voilà. Justement comme mieux parler du sujet, parler du FC Barcelone qui est donc à sa quatrième journée au total, qui pour l'instant totalise un 3 sur 3. On va voir si on va faire un 4 sur 4. Pour l'instant, c'est un 3 sur 3. Hein. Le FC Barcelone qui a fait 3 matchs, 3 victoires d'affilée. Même chose pour le Real Madrid qui, du coup, égalise hein, au FC Barcelone. Luis Suarez qui je rappelle, ayant quitté le FC Barcelone, a marqué 2 buts à l'Atlético Madrid, ce qui est déjà exceptionnel. Hein, exceptionnel. Lui aussi, l'ancien Blaugrana. Donc on parlait de Neymar, la MSN. Je vous rappelle, Messi, Suarez, Neymar. En tout cas, c'est mort. Olaza. Olaza, le ballon sur Yokutsu. Bref. Le tacle et l'arbitre qui sanctionne. Ça va être un coup franc. Tacle de Jordi Alba. L'arbitre qui demande un peu plus de tranquillité et moins d'agressivité dans ce genre de tacle. Et ça peut faire une très très belle action, ça peut faire un très très beau but, car je vous rappelle, on est à 43 minutes, quasiment à la fin de la première période, toujours pas de but, donc on espère voir un petit but ici, et le match s'ouvrir sous un petit but. Justement, parlons du Abanca Balaidos, un stade qui a été créé en 1928, avec 28 700 places au total dans ce stade qui donc... Oh le ballon, c'est pas fini. Oh la tête qui aurait pu libérer cette équipe du Celta Vigo. Ça continue avec Sisto, Fran Beltran.
On arrive à une minute de traditionnel. L'arrêt, encore une fois, de Ter Stegen. Exceptionnel, là. Le Celta Vigo qui commence à faire beaucoup mal au FC Barcelone, mais c'est pas fini. Ousmane Dembélé, la contre-attaque qui peut être très très dangereuse avec Messi, la Pulga, ouais, qui rate son contrôle. Ruben Blanco. Et c'est 0-0. Fin de cette première période, donc, qui reste fermée. Et la fiche, donc, le Celta Vigo, qui a beaucoup de mal à trouver la faille. Le FC Barcelone, de même, encore moins. On va voir ce qui va se passer en seconde période, mais en tout cas, fin de première période, très très chaude. Hein. Sur ces deux coups francs, et exceptionnel. En tout cas, on va passer à la seconde période. C'est parti. 0-0, comme j'ai dit, à l'affiche pour cette première période. Un score qui reste tout à fait à l'effigie de la première période. Deux équipes qui se sont cherchées, mais pas. Mais bon, sans plus quoi. Ousmane Dembélé, le centre, la tête de Griezmann. Et c'est pas fini. Ruben Blanco qui arrête la balle. Ruben Blanco qui envoie cette balle avec Thiago Aspas. Oh, le tacle magnifique là de Philippe Coutinho. Ah, Thiago Aspas, ouais, qui a été chercher carrément sa zone de confort. Ce ballon sera donc pour Sergio Bermejo et Denis Suarez qui rentre. Ouais, car je vous rappelle que le frère de Luis Suarez est ici. Oh, c'est à Vigo qui peut faire très très mal, hein. Qui peut faire très très mal. Lionel Messi, la Pulga. La Pulga magnifique sur Nelson Semedo. Ça continue. Oh, le ballon perdu. Gérard Piqué avec Pjanic, Ousmane Dembélé. Pjanic pour donc Lionel Messi, Griezmann avec Ousmane Dembélé, Nelson Semedo. Semedo, le ballon, ouais non, beaucoup trop long. Et de toute façon, Messi, je pense qu'il est hors jeu sur cette action. Je m'annonce pour les Blaugrana, le premier, le fameux, c'est donc Sergi Roberto qui rentre à la place d'Ousmane Dembélé. Côté Blaugrana. Ruben Blanco sur Sergio Bermejo Arroyo. Smolov qui peut récupérer le ballon. Quoique non, c'est pour Nelson Semedo avec Lionel Messi. Messi magnifique sur Griezmann. Messi toujours le 1-2 magnifique, exceptionnel. Oh, cette frappe qui aurait pu faire but, là, de Messi. Thiago Aspas. Avec, oh, magnifique Denis Suarez, trouvé. Fran Beltran. Le tacle de Pjanic. Pjanic avec Messi, Messi. La frappe, oh, magnifique arrêt de Ruben Blanco. Et ça y est, le score qui commence à demander des buts et qui commence à en avoir, qui va bientôt en avoir, j'espère. Hein. Va bientôt en avoir. Désolé, petit problème de Wi-Fi, de connexion, mais non, ça m'étonnerait même pas. Ça m'aurait pas étonné. Attention, le ballon sur la ligne d'Hugo Malo. Hugo Malo, le français. Qui peut remiser, Hugo Malo toujours, qui commence à rentrer dans la surface, Blaugrana, le ballon récupéré côté catalan avec Sergi Roberto. Contre-attaque avec Messi, Messi qui vient chercher Griezmann, Griezmann sur Sergi Roberto sur cette aile. Ouais, ballon perdu. Sergi Roberto. Denis Suarez.
Gérard Piqué qui peut tacler là, ouais, et qui tacle Sisto, ah, qui met un vrai pressing là, hein, wow. Et voilà donc encore un Français qui rentre à la place d'un Français, Nelson Semedo qui cède sa place à Clément Lenglet. Alors, le jeune Français qui est ici avec Sergio Busquets, Messi qui vient chercher Lenglet sur cette aile. Sergi Roberto avec Pjanic, Coutinho. Ouais, magnifique ça, Jordi Alba sur Busquets. Pjanic. Ah ouais, non, mauvais ballon. Avec Samuel Umtiti pour Busquets. Philippe Coutinho avec Griezmann. Ah, mauvaise passe à de Griezmann un peu. Voilà, je me demande plutôt c'est quoi cette passe là. Samuel Umtiti, la balle pour Busquets. Ouais, magnifique ballon. Magnifique extérieur pour Clément Lenglet à l'opposé. Sergi Roberto, Pjanic, Busquets. Samuel Umtiti, ça repart sur l'opposé extérieur avec Griezmann qui vient chercher Messi, la frappe, le poteau. Oh, c'est pas fini. Ah, Messi qui fait encore très très peur, hein, Messi. Ah, quelle frappe. Changement annoncé, c'est donc Miralem Pjanic qui cède sa place à Frankie De Jong. Frankie De Jong qui va donc terminer ce match. De Jong sur Clément Lenglet avec Sergi Roberto, la touche côté Blaugrana. Les Catalans qui tentent, hein, qui tentent beaucoup de frappes, mais toujours pas le but. Et le score toujours fermé. De ce 0-0. Petit suspense, on va voir qui c'est qui va ouvrir en premier le score. Sachant que le Celta Vigo est déjà dans la surface du FC Barcelone. Et finalement, c'est Sergi Roberto qui s'interpose. Nouvelle balle avec donc Griezmann. Griezmann, le ballon magnifique. Et ouais, non, ballon encore perdu. C'est du coup pour Sergio. Bermejo, Olaza, très très long cette balle. Et c'est pour Fran Beltran. Yokuzu, Philippe Coutinho, magnifique ballon, ouais, un peu trop long même. C'est pour donc Griezmann, ah, ça a bien fait ça sur Messi. Clément Lenglet. Avec Sergio Busquets, ballon perdu avec Olaza. De Jong avec Busquets, c'est pour Griezmann. Sergi Roberto avec Clément Lenglet qui peut remiser vers le centre. Lenglet, oh, le centre qui aurait pu faire mal encore une fois là sur Messi. Ruben Blanco, Iago Aspas. Oh, Iago Aspas qui met très très mal l'équipe du FC Barcelone là, avec cette course. Samuel Umtiti avec Frankie de Jong, c'est pas fini. Messi, oh, magnifique ballon pour Sergio Busquets. Busquets qui vient chercher Messi, la frappe de Messi. Oh, au-dessus, la Pulga qui frappe au-dessus. Et qui manque le cadre. C'est incroyable, cette frappe. Tu aurais pu faire but et finalement, c'est au-dessus. Aïe, 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 aïe. Messi qui manque cette frappe. Et qui manque plus qu'une occasion, là. C'est même le moyen de gagner ce match. Yokuzu qui donc cède sa place à Bress Mendes. Cette action qui leur échappe encore une fois au FC Barcelone.
Mais c'est pas fini, il y a déjà une contre-attaque là avec Sergi Roberto. Roberto qui peut mettre un très très beau centre pour Messi. Encore une fois, l'arrêt magnifique de Fran Beltran. La frappe, la reprise de Francky De Jong. Cette balle qui finit derrière les filets de Fran Beltran. Décidément, mais c'est Barcelone qui n'est pas en réussite aujourd'hui. Avec cette frappe la manquée de Francky De Jong. Ruben Blanco. Avec Sergio Bermejo. Hugo Malo. Oh, ballon perdu. C'est du coup pour Denis Suarez. Denis Suarez pour Sergio Bermejo. Arroyo. Messi, oh magnifique ça, c'est pour Griezmann. Quelle passe de Messi. Griezmann, la tête, oh la tête, encore une fois en jeu en plus de Sergio Busquets. Alors jeu. C'est quand même pas de chance du tout. Hein. Roi Runca qui du coup remplace Olaza. Changement pour l'équipe du Celta Vigo. Ruben Blanco qui va envoyer cette balle avec Runca. Runca avec Arroyo. Runca. Sisto. Brais Mendes. Fran Beltran. Diego Aspas. Hugo Malo. Samuel Umtiti qui récupère la balle. C'est récupéré avec... Oh, Messi qui fait un magnifique ballon sur Sergi Busquets. Enfin, sur Sergi Roberto. Ah, Sergi Roberto qui manque totalement cette passe. Ah, dommage, il y avait un beau contre à faire là. Diego Aspas qui cède sa place à Juan Hernandez. Changement pour l'équipe du Celta Vigo. Encore une fois, touche pour le Celta Vigo. Les Catalans qui n'ont pas de chance du tout hein, dans cette rencontre. Ils ont eu certes beaucoup d'actions, mais justement, il est là le problème. C'est qu'une petite action peut faire un but. Et Simon Smolov qui manque le cadre de peu. Mais de peu, hein, là. Et le score qui n'est toujours pas ouvert. Toujours fermé depuis le début de la première période. Ça n'a toujours pas changé, hein. On est reparti, Francky De Jong. Et ça y est, l'intensité peut commencer. Il y a une contre-attaque qui peut se faire. Oh, Messi. Messi qui a diminué sa course un peu trop rapidement. Ruben Blanco. Qui arrête cette balle. La touche côté Celta Vigo. Cette balle, l'arrêt, la claquette du gardien. Sergi Roberto, on est reparti. La contre-attaque là avec Messi. Messi sur Griezmann. Ça, c'est magnifique. La frappe de Messi. Runca avec Sisto. La talonnade pour Griezmann. Messi. Messi qui continue, encore une fois la frappe de Messi, encore à côté. 2 minutes de temps additionnel, on en est déjà à 1 minute. Oh, ce qui rate encore une fois Messi, un peu trop sur le gardien cette frappe. Et ce match va se terminer 1-1, enfin 0-0 même. Il n'y a même pas eu de but. Car les deux gardiens ont été exceptionnels, ça il faut le dire aussi. Justement c'est un bon point côté gardien, c'est... Que les deux gardiens ont été exceptionnels, que ce soit Ruben Blanco ou Ter Stegen,
ce qui permet au Celta Vigo et au FC Barcelone de prendre un point chacun. Bravo aux 22 acteurs plutôt de cette rencontre. Même si bon, il n'y a pas eu de but, mais c'est pas le principal. Le principal, c'est notamment le jeu, et on a eu du jeu aujourd'hui, ça c'est clair. Les deux équipes qui ont été exceptionnelles, que l'une que l'autre. Non seulement en attaque, mais aussi en défense, mais bien évidemment, les gardiens qui ont été les acteurs, les vrais acteurs de cette rencontre. Pas de but au total, donc forcément, c'est en faveur des deux équipes. En tout cas, merci de regarder ce match à mes côtés. Si c'est le cas, mettez un j'aime, un commentaire, bien évidemment, partagez cette vidéo avec ceux que vous voulez. Et salut à tous.